Salut à tous, de la série Mémoire de vieux geek. Voici une vidéo qui est consacrée à une préversion assez avancée de Quake, le jeu sorti en 1996, à savoir la Quake One Pre-Release, qui est sortie 10 jours avant, enfin, pour les bêta-testeurs, 10 jours avant la sortie officielle. En gros, elle est sortie le 11 juin, et Quake tout court est sorti le 22 juin de l'année 96. Donc, ça fait 22 ans. Pour cette vidéo, je vous renvoie fortement au billet Mémoire de vieux geek que vous trouverez. Vous aurez tous les liens pour télécharger cette pré-release, son histoire et une liste des modifications dont je vais vous montrer les différences en vidéo. Il faut se souvenir que c'est une version qui n'est pas finie. À l'époque, elle n'était pas finie. Donc, il y aura des bugs, il y aura des différences, mais je vais vous montrer les principales que j'ai pu voir. Donc, j'ai installé DOSBox, j'ai récupéré la pré-release et on va lancer le Quake. Alors, si on fait un petit setup, voilà, setup version 1.5, donc on met keyboard and mouse, voilà. Relancer Doom 2, pas vraiment, mais si on fait un petit quake, voilà. Bon, bien sûr, c'est bien précisé bêta. Les démos sont différentes, je vais vous montrer les trois, vous allez voir la différence qu'il y a déjà. Évidemment, il n'y a pas la musique de fond de Train 13 Nord. Et c'est une vidéo, enfin c'est une préversion qui est 10 jours avant la date de sortie. Autant dire qu'ils ont dû foutre, démultiplier à Shady pour pouvoir tâcher une seule fois. C'est la différence. Voilà, il faut que ça se calme. Les scracks ne font pas le flop-flop, ça fait pom-pom-pom. Donc, au clair, au lieu d'avoir le bruit un peu gélatineux de la version finale, c'est des coups de feu qu'ils tirent les scracks. Les scracks, c'est des espèces de torses volants. Déjà, c'est la différence. Autre différence, vous allez voir ici. Là, au lieu d'avoir un chevalier, on a notre ami l'ogre. Les sons sont légèrement différents aussi. Vous avez pu voir que la biosuite, en gros, la combinaison de plongée est différente. Mais je reviendrai dessus. Bien sûr, les niveaux sont différents parce qu'ils n'étaient pas complètement terminés. C'est normal que ce soit aussi petit et moche parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'accélération 3D vraiment fonctionnelle. Il y a aussi des différences au niveau du menu. Parce que si on va dans multiplayer, c'est pas encore terminé. Dans les options vidéo, je vais juste modifier un truc. Ça, je préfère. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Non. J'ai fait une erreur.
Voilà, c'est mieux comme ça. Là aussi, c'est pas encore fait. Donc, je vais vous montrer aussi les deux, trois différences qu'il y a. La première, c'est qu'il n'y a pas le mouvement souris. Tu es obligé de l'activer déjà. Donc, si on fait plus M look, ça ira mieux. Voilà, je vais rester avec la définition de base parce qu'il faut le modifier, c'est chiant. Là, c'est déjà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, bien sûr, on a le niveau hard. Je ne sais pas vraiment si ça ralentit pas mal, c'est normal parce que c'est la vraie version. Il n'y a pas les effets de particules, c'est juste comme ça un effet de sprite. Et vous savez aussi que le niveau caché, le niveau Nightmare est ici. Worst Nightmare d'ailleurs. Donc je vais essayer de ne pas me casser la binette. Bon, je me suis cassé la binette, c'est pas bien grave, on va faire nos clips. Voilà. Un peu plus. Merci. Ah zut, j'ai quitté le jeu. La vache. Oula. Donc. Là, c'est une fausse manipulation. C'est l'habitude de quoi il se passe, mais désolé. Donc, nous avons dit. Je vais retourner vous montrer l'accès au niveau Nightmare. Donc là, j'espère que cette fois-ci, je vais pas me casser la binette. Voilà. Là, ça vous permet d'accéder au niveau de difficulté maximum. Mais si vous tirez... Ah zut, j'ai plus le même look. Le mouse look, voilà. So what your wishes await you. Donc là, il faut aller là, là. Et par là normalement. Donc là, je ne suis, suis pas assez vite. Donc, on va faire un tout petit no clip. Et vous allez voir. Et si on va là, on descend. Boum. Bienvenue dans le puits des souhaits. Et nous avons notre ami le Dopfish. Voilà. Au lieu d'être planqué dans le niveau E2M3, il est planqué ici. Donc là, je vais juste aller au niveau le plus simple. Pour la vidéo, ça sera aussi bien. Et on va aller... Voilà. Donc là, je vais pas mettre en God Mode. Alors là, je crois me souvenir, c'est cette... Ah, c'est ça. Voilà, donc... C'est deux. Vous voyez donc c'est le niveau qu'on connaît à peu près, sauf qu'il y a quelques modifications. Parce que tous les niveaux n'étaient pas complètement terminés. Il y aura toujours des modifications qui apparaîtront au fur et à mesure des versions. Là, le niveau le plus secret et le plus simple, c'est celui-ci. Voilà. C'est que ce n'est pas complètement bloqué, vous allez voir. Là, je récupère le super shotgun. Et vous avez vu, le pont n'est plus resté bloqué. Alors que dans la version finale, une fois que le pont est que le passage est débloqué, il est débloqué. C'est une différence de jouabilité. C'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est celle-là.
fait. Il y a aussi de grosses différences. Donc là, je vais déjà commencer par m'occuper de ce passage-ci. Salopard ! Ouais, donc là, je vais finir le niveau. Donc, il y a peut-être par exemple les fléchettes, enfin les je me rappelle pas qu'il y avait un paquet de clous ici. Mais je vous montrer une autre différence, même s'il n'y a plus personne à tuer, c'est le quad power, enfin le quad damage. À l'époque, il ne s'appelait pas le quad damage, il s'appelait autrement. Donc si je me souviens bien, le quad est ici. C'est le Quake Power. Et vous remarquez que ça clignote avant qu'on accède. Donc maintenant, même si j'en ai plus besoin, là, on voit aussi que la Burial Suite n'est pas complètement terminée. Et quand on parle de la flotte, mais ça c'est un effet qui était à l'origine, ça donnait un effet distordu. Donc il faut que je me retrouve la sortie de l'autre par là. Voilà. Donc là, on va se retaper une dernière fois le chemin. Et je vais juste vous montrer après le E1M2. Il y a quelques modifications aussi. Dans tous les autres niveaux, mais je vous passe montrer les principaux niveaux où je sais qu'il y a des modifications. Vous allez voir quand même, c'est assez différent. Voilà. Voilà. Donc déjà, bon, j'ai pris un peu mon temps, mais juste pour vous montrer les modifications. Là, alors, 4, on va déjà s'occuper de l'ogre. Déjà ces piliers qui n'existent plus dans la version finale de la map, de la carte. C'est des 25, ça. Donc, j'ouvre déjà le quad damage. Enfin, le quad power, pardon. Là, en accédant tout à l'heure au quad damage. Là, je vais essayer aussi de pousser dans ce niveau. J'aurais dû plus tirer deux fois de moins, mais... Et là, au lieu que ce soit... Non, c'est très bien que c'est... À l'époque, c'était aussi... Et là, bien sûr, on a nos amis... Chevalier. Moi, il y en avait deux, mais il n'y en a plus qu'un seul dans cette perversion. Là, on récupère la clé. Et vous remarquez que ça clignote quand on récupère un objet. Donc là, pour éviter de me faire massacrer la tronche par notre ami le Fiend. Je me tire à toute vitesse. Je vais récupérer le Quake Power, alias Quake Damage.
Et normalement, le film va partir de l'accueillir. Voilà, donc là, vous avez vu les principales différences au niveau de ça. Donc là, je vais sauter plusieurs niveaux et je vais directement au niveau E1 M7. En clair, le niveau de Kston. Mais par sécurité, je vais me mettre en God Mode. Voilà. Je sais, c'est la triche. Et voilà, on a récupéré le sigil et non pas le rune. Parce que normalement, dans la version finale de Quake, c'est des runes. Là, ce sont des sigils. Vous voyez aussi que les boutons Quake ne sont pas enrobés, sont juste comme ça en protubérance. Donc là on peut descendre, vous allez voir la différence au niveau du texte de fin. Au lieu d'avoir le gros texte habituel par rapport à Ashton et compagnie. Ouais. Donc là, je vais aller le map E2 M7. This Mile Obedient, qui est légèrement différent si mes souvenirs sont bons au niveau du départ. Alors, pardon. E2M6, autant pour moi, je me suis gouré. À chaque fois, je me gourre. Voilà. Oui, on est bien dans le niveau Dismayon Obayet. La preuve, Dismayon Obayet. Vous voyez la différence? Déjà, le niveau est différent. Et ça, c'est parce que c'est une limitation au niveau de la taille de la carte. Donc là, bien sûr, je me suis mis en God Mode pour vous montrer entièrement la carte. En espérant la faire aussi rapidement que possible. D'accord, là. Je crois que c'était Impulse 9. Bon, c'est ça. Donc j'ai toutes les clés, je les rassemble. Apparemment, le son des zombies est différent aussi. Bon, je sais, j'aurais pas dû prendre l'Impulse 9, mais ça fait gagner du temps. C'est-à-dire que ce niveau avait été légèrement raboté. Pour la simple raison, c'est que ça ne tenait pas dans les 1,4 définis par... alors, on est sorti maintenant. Ça ne tenait pas dans les 1,4 de... comme défini dans les réglages, enfin dans les spécifications... Je croyais avoir entendu quelque chose là. Les spécifications du des niveaux. Il devait tenir dans 1,4 au sein d'une disquette. Alors, j'espère me prendre soin de la santé. C'est vrai que là, c'est pas super clair non plus. Eh, bonsoir. Où est la sortie? Faire un no clip. Bon. Là, je suppose que c'est par là. Voilà.
Et là, on arrive au début du niveau tel que l'on connaît, les Smile Bayette. Bon, je vais gagner un petit peu de temps. Non, c'est pas là. C'est là. Et là, c'est le début de la descente aux enfers. Là, vous avez quand même, j'ai sauté pas mal de niveau pour vous montrer une grosse différence que je crois avoir vue et j'espère ne pas m'être trompé. Là, j'ai sauté tout le niveau au passage où il fallait buter tout ça, mais j'ai préféré couper parce que j'en ai déjà, je me suis un peu paumé au départ parce qu'après vous avez reconnu. Bon, il me manque là les trois quarts des victimes, mais tant pis, mais c'est juste pour vous montrer. Est arrivé. Alors, où est-ce que la porte s'ouvre? Ah, là voilà. Donc là. Ben, je crois une des principales différences arrive ici aussi. Voilà, vous voyez, nos amis les forces, ces espèces d'araignées tripodes. Au lieu de balancer des boules de plasma bleu, c'est des boules de lave qui sont balancées. C'est notre différence. Voilà. Et là, bien sûr... même message. Donc là, je vais directement sauter à la dernière carte. Vous montrer les ultimes différences. Donc on fait map end. Voilà. Donc là, normalement c'était 200 qu'on pouvait récolter au niveau des points de vie, mais là on peut monter jusqu'à 250. Et il n'y a que 10 adversaires dans ces putains de feintes. Je vais voir quand même si je peux pas récupérer d'autres armes. Ah non, je peux récupérer que le flingue à double, enfin, le flingue à double canon. Et là, on est. Là, on voit Chubniguras au fond. Et zut. Bon. J'ai raté mon saut. On va recommencer. Et zut. Bon. Allez. C'est pas grave. Là, on va buter ça. Donc je vais essayer une nouvelle fois de sauter pour récupérer le lance-roquette. Là, c'est, comme on dit, hell breaking over. Thank you.
qu'il n'y a plus qu'à s'occuper de Shumi Gourat. Notre ami Shumi. Voilà. On est arrivé à 10 sur 10. Il n'y a plus de... Bon, il n'y a pas de fin. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vous ai montré les principales différences entre cette version qui est, dirons-nous, presque finale et la version finale. Bien sûr, il y a d'autres modifications que je ne vous ai pas montrées, parce que toutes les cartes n'étaient pas encore complètement terminées. Mais déjà, je vous ai montré les principales modifications que j'ai pu voir. J'espère que cette vidéo, qui s'est un peu allongée, vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao !